Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mesdames, messieurs, est-il approprié de confier une chaire de création artistique à un interprète? N'est-ce pas surestimer le rôle d'un serviteur des compositeurs et de leurs œuvres? N'est-ce pas sacrifier à la tendance trop répandue de mettre l'interprète, brillant ou insignifiant, sur le devant de la scène, manie favorisant par trop le sensationnel et toutes ses dérives? C'est au contraire, je le crois, et je l'espère, mettre à profit sa position très singulière d'interface entre l'univers secret de la création et le partage social. Son don d'ubiquité le rend particulièrement à même de prendre le pouls de la création artistique, comme d'être un observateur et un acteur privilégié des transformations continuelles des cultures musicales au sein d'une société plurielle. Explorateur de nouveaux territoires lorsqu'il s'attelle à la découverte et à la mise en valeur de répertoires inconnus, il peut prendre des fonctions d'archéologue lorsqu'il oriente sa tâche vers la renaissance d'œuvres anciennes. Voyageur incessant, il est à même d'apprécier les différences d'éducation, de goût et de point de vue des acteurs musicaux ou des publics de différents pays. Homme d'intuition et d'études, il peut tenter d'apporter des réponses empiriques ou raisonnées aux questions posées par la complexité de notre monde culturel. Homme de transmission, enfin, dans un univers en mutation extrêmement rapide, il peut être un révélateur en cet espace privilégié qu'est la scène, par tout moyen de reproduction ou par l'exercice pédagogique. Je vous propose de faire tout d'abord un point sur les spécificités de la situation de notre monde musical actuel en abordant successivement les grands thèmes des héritages, de la création, de l'éducation et des médias. Puis nous envisagerons de possibles stratégies pour relever les défis posés. Enfin, nous terminerons en nous interrogeant sur quelques dimensions de l'interprétation musicale. Jamais on ne s'est trouvé en contact possible avec tant de couches d'histoire musicale. Jamais non plus la connaissance de cette histoire n'a été aussi précise et documentée. Jamais enfin la société musicale ne s'est autant penchée sur cette histoire au point que l'écrasante majorité du répertoire de musique savante exécuté aujourd'hui soit ancien, la musique contemporaine n'étant plus depuis un siècle celle la plus jouée. Comment gérer cette situation et quelles conséquences en tirer? Pendant des décennies, les strates les plus enfouies de notre passé ont donné lieu à un travail de musicologie et d'interprétation considérable. Ramenées à la vie, elles ont parfois généré des moments de découverte ou de redécouverte émerveillés, mais aussi des modes creuses ou des dogmatismes. Parallèlement, ce qui était considéré comme le répertoire de la musique dite classique, selon les cas de figure un ambitus, comme les musiciens disent, allant grosso modo des classiques viennois au dernier post-romantique, a été interprété de façon toujours plus impeccable, mais peut-être moins inspirée. Enfin, des ensembles voués à la musique de leur temps ont été créés pour conquérir peu à peu le plus haut niveau de qualité. À cette situation correspondait un monde de spécialistes, d'un grand niveau de compétences parfois, mais cloisonné par époque et par catégorie.
Ainsi compartimentée, la société musicale ressemblait, et ressemble encore par trop, à la juxtaposition, disons, entre autres catégories, d'exégètes du Moyen-Âge, de héros romantiques et de techniciens du contemporain. Mais cette situation se transforme grâce aux actions très diversifiées d'acteurs de tous bords. Un contrepoison à l'hyperspécialisation consiste, par exemple, à vouloir tout embrasser, mêlant souvent ainsi un désir d'universel à un fantasme de toute puissance. Mais l'assimilation d'un style, d'une œuvre en vue d'une interprétation digne de ce nom demande du temps, et l'ouverture d'esprit mal canalisée peut vite tourner au papillonnage. Ce danger est manifeste dans la programmation. Fleurissent aujourd'hui moult programmes où l'éclectisme, pas toujours contrôlé, débouche aisément sur des menus fourre-tout. Le décloisonnement ne peut être qu'une bonne intention, c'est un art qu'il convient de pratiquer avec culture et doigté. Depuis les années 80, années du postmodernisme, et de plus en plus à l'approche du changement de siècle, certains interprètes remettent en question des frontières antédiluviennes. Certains, notamment lorsque leur qualité de chef leur donne un terrain d'action très étendu, réalisent des projets très spécifiques, en toute liberté et selon leur bon plaisir, couvrant non moins de 5 siècles d'exploration musicale. D'autres, instrumentistes de groupe, mettent à profit l'état d'esprit et la réalité pratique qui règnent dans une ville particulière, Londres ou Amsterdam par exemple, et voyagent sans cesse d'un groupe de musique baroque à un ensemble de musique contemporaine, en passant par un orchestre symphonique de type romantique. En assimilant au passage styles et répertoires, ils se font eux aussi les chantres d'une flexibilité culturelle. Au demeurant, pour bien des jeunes talents informés et ouverts d'esprit, cette attitude semble de nos jours la plus naturelle possible. Enfin, certains instrumentistes vont beaucoup plus loin dans le transversal et dans une tradition de créolisation qui est l'essence même du jazz, créent des zones de perméabilité entre musique de différentes catégories, jazz divers, musique du monde, pop, classique, contemporain, etc. Cette attitude fait songer à celle de compositeurs vivants mêlant apports moyenâgeux, baroques, ou ethnique, à un vocabulaire de type occidental contemporain. La première est la plus naturelle des priorités pour un musicien-interprète. Ne devrait-elle pas être la relation avec les créateurs de son temps? L'enrichissement apporté par leur réflexion hors norme, le dérangement provoqués par la singularité de leur démarche, l'inspiration, enfin engendrée par leur vision originale, ont valeur initiatique. Bien plus qu'appartenant à un monde en mouvement dont ils révéleraient des parties cachées, ils sont les architectes visionnaires d'un futur à construire. Mais quelle place réserve-t-on à leur création ? Après des années de marginalité et grâce au combat acharné de quelques battants, la musique contemporaine a vu ses institutions obtenir de plus en plus de reconnaissance. Elle s'est progressivement placée au cœur d'un nombre enviable de maisons généralistes majeures. Cependant, bien des interrogations viennent nuancer cette constatation. Tout d'abord, cette place reste modeste, reflétant un manque de curiosité assez répandu dans le milieu musical. Ensuite,
une partie de la place a été maintenant investie par des musiques de type commercial, voire révisionniste. Enfin, et cela est curieux, alors que la place faite à la création est enviable par rapport à tout ce qu'elle a connu depuis la fin du deuxième conflit mondial, elle ne semble pas investie par une armada de jeunes illuminés à l'irrésistible vitalité de découvreurs. On peut certes adhérer à la thèse d'une époque plus molle, succédant à une phase d'avant-garde d'une fulgurante créativité. Mais pour dépasser la dialectique période de restauration suivant des avant-gardes pas complètement assimilées, on se doit d'affiner son observation du monde actuel pour en constater ses particularismes. Alors que depuis la Deuxième Guerre mondiale, même des personnalités très tranchées, qui ont chacune suivi leur chemin propre par la suite, se sont regroupées au sein de courants ou d'institutions pendant un bref moment, de nos jours, l'indépendance ou l'individualisme des compositeurs semble aller plus loin que jamais, sans que nous en sentions toujours les effets dans la création elle-même. Il est vrai que notre époque, novatrice en diable pour ce qui concerne les sciences et les techniques, est devenue globalement plus frileuse dans le domaine de la création musicale. Et bien souvent, ceux des créateurs qui nous tiennent en haleine au XXIe siècle sont les mêmes qu'au siècle précédent. Pas toujours aisé de trouver ses repères dans un monde où même des critères datant de toute éternité semblent s'estomper. Qu'en est-il précisément de la prégnance de l'identité nationale dans un monde où la circulation des individus, musiciens plus que d'autres, est extrême? Et du phénomène générationnel, grandement relativisé à l'heure où la longévité atteint des records du reste encore à battre. De fait, n'est-il pas frappant, pour ne prendre qu'un seul exemple, que le plus grand compositeur américain vivant soit aussi l'un des plus européens, et que ce même créateur centenaire nous surprenne par sa vitalité créatrice et sa fraîcheur plus que bien des jeunes loups. Mais revenons à nos moutons, je veux dire à nos interprètes. Depuis quelques années, bon nombre d'orchestres ont ouvert leur répertoire, même si le temps de répétition nécessaire n'est pas toujours au rendez-vous. Le problème de la rigidité des corporatismes est universel. Plus de chefs sont prêts à consacrer du temps à des compositions remportant un succès pas toujours assuré ni immédiat. La musique de chambre n'est sans doute pas le cadre pour un renouvellement audacieux, mais cette règle connaît quelques exceptions. Quant au monde des solistes, ils voient les nouvelles musiques défendues par les mêmes têtes, pas très nombreuses, et espèrent que les nouvelles générations s'impliqueront davantage. Cependant, une prise de conscience générale a lieu et le monde musical se hâte avec lenteur, aiguillonné par quelques directeurs artistiques responsables et victime de l'horizon encore bien étroit proposé par son enseignement, on continue de fabriquer dans le monde entier des armées d'instrumentistes dont la culture s'arrête souvent à la Première Guerre mondiale. C'est peu avant ce conflit précisément qu'un phénomène sans précédent s'opère. Une transformation lourde de conséquences, la fin du langage commun. Elle entraîne un éclatement linguistique et stylistique n'épargnant aucune discipline artistique et s'épanouissant en correspondance avec la guerre. Dès lors, l'interprète voulant embrasser la production destinée à sa discipline est amené à déterminer sa démarche selon les caractéristiques de chaque créateur et de chaque œuvre. Hors de question d'interpréter avec une approche similaire une composition de Ravel,
par exemple, où acoustique et esthétisme sont les maîtres mots, et une pièce expressionniste de Schoenberg qui nécessitera de libérer des pulsions venant des tréfonds les plus fantasmatiques de l'interprète au mépris de quelque beauté sonore que ce soit. Pour enchaîner avec un couple de compositeurs également de générations semblables, citons le cas Olivier Messiaen, Elliot Carter, avec cet exemple frappant de deux créateurs nés à un jour de distance et composant des musiques quasiment opposées. Harmonie, couleur et réitération des idées, dans le cas du français, très français au demeurant, fantaisie des lignes, polyphonie et renouvellement des idées compositionnelles chez le New-Yorkais, ayant pourtant fait ses études à Paris. Dans la deuxième partie du siècle, cette conjoncture de pluralisme linguistique se radicalise. Chaque compositeur clé parle sa langue propre, invente son style, forge ses sons. L'interprète qui donne vie à plusieurs, voire à beaucoup de ses musiques, doit donc faire l'apprentissage d'autant de langues étrangères au début. Dans cette situation multilinguistique, un travail de traducteur est d'un tout autre ordre qu'antérieurement. Il nécessite de parler un nombre de langues important, rien à voir avec l'activité consistant à différencier les façons variées d'employer le même langage ou un langage proche, ce que l'on peut apprécier même dans le cas de compositeurs considérés comme antagonistes, Bach et Handel, Brahms et Wagner. Considérons le cas du classicisme viennois pour un instant, à un moment où l'histoire de l'Europe unifie un langage commun à son apogée. Les mêmes règles régissent les musiques de Haydn âgé, de Mozart ou du jeune Beethoven. Ils emploient tous trois le même langage à un moment donné. C'est la façon de l'utiliser qui diffère, celle de parler ou de chanter, de former, de s'exprimer, de jouer avec les idées. Si Haydn est le maître de l'incongruité et de l'inattendu, Mozart celui de l'intégration et de la maîtrise élégante, Beethoven est celui de la radicalisation et du chambardement. Une des tâches de l'interprète est la caractérisation de ces différentes façons de faire pour rendre justice à l'originalité de chacun au sein d'un même style. Au cœur de notre tour de Babel, au contraire, l'interprète est amené à découvrir constamment esthétiques et techniques nouvelles. Il devient linguiste expérimentateur et polyglotte. La situation de l'enseignement supérieur est complexe. Certaines institutions anglaises ou hollandaises ont depuis longtemps formé des étudiants très ouverts d'esprit. D'autres, comme le Conservatoire national supérieur de Paris, ont entrepris et réussi une mutation audacieuse. La réforme européenne en cours du LMD, licence master doctorat, qui œuvre pour la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur, contribuera sans doute à déprovincialiser, si j'ose dire, bien des établissements. Cependant, de par le monde, la majorité des étudiants instrumentistes, surtout ceux d'instruments à succès extraordinaire, entre guillemets, comme le piano ou le violon, j'extrapolerai en ajoutant le chant, continuent d'être formés selon des schémas et surtout des mentalités ayant peu ou insuffisamment évolué depuis le post-romantisme. Que certains temples dans l'enseignement musical mondial soient aussi des temples du conservatisme en dit long sur ce retard. Celui-ci est endémique dans certains pays asiatiques, copiant les modèles occidentaux périmés. Ceux-ci se dotent d'une politique d'enseignement musical quasi industrielle, aussi ambitieuse et impressionnante sur le plan de ses résultats quantitatifs et compétitifs que caduques quant au contenu. L'accent semble être mis là où le bas blesse, dans un monde en perte de valeur, moins de sens, plus de maniérisme et de clinquant.
Le monde de l'enseignement est porteur d'avenir lorsqu'il propose une vision en phase avec notre environnement polyculturel. Jamais, bien sûr, lorsqu'il se replie sur des nostalgies ou des complexes liés au XIXe siècle et peut-être à ses impérialismes. Dans ce domaine comme dans d'autres, c'est bien sûr la rigidité des mentalités qui est l'ennemi numéro un. Un autre des mots du moment, une vieille maladie, il est vrai, mais en expansion vertigineuse, est l'exposition excessive, trop tôt, de talents encore insuffisamment formés. Nous voyons incessamment apparaître de nouvelles têtes, souvent très photogéniques, jouant ce qu'il faut, là où il faut, parfois même comme il faut, hélas trop souvent comme il ne faudrait mieux pas, prêts à se faire dévorer par un marché avide de talents prêts à jeter. Car la surexposition ne date que quelques années, le temps pour la nouvelle coqueluche de s'épuiser d'une façon ou d'une autre. Bienvenue alors au prochain candidat au miroir aux alouettes. Chacun des acteurs de ce jeu morbide, parents, professeurs, agents, compagnies de disques ou jeunes talents eux-mêmes, peut éviter la casse en se méfiant comme de la peste des illusions et des non-sens de cette hyper-consommation. Cela suppose de la lucidité et un certain esprit de résistance. Malheureusement, le gâchis est souvent considérable, non seulement pour beaucoup de jeunes virtuoses aux trajectoires et aux existences souvent brisées, vieilles rengaines hélas, mais aussi pour la société musicale dans son ensemble, qui sortirait enrichie de voir des talents d'envergure prendre plus de temps pour se former artistiquement et humainement, pour réfléchir un peu afin de devenir plus qu'une marionnette. La précipitation coûte également beaucoup à certains chanteurs donnant la préférence à leur carrière plutôt qu'au respect de leur voix et de son développement, comme à des jeunes chefs chez qui le statut de star l'emporte sur celui d'apprenti. Mais il est un sujet plus déstabilisateur encore. La pipelisation de la musique classique devient préoccupante. Non parce qu'elle serait un phénomène nouveau ou que le succès de masse soit nécessairement corrupteur, mais parce qu'elle impose comme référence des interprètes dont certains ne représentent pas les critères de qualité et d'exigence que leur place dans la profession laisse attendre. Il n'est à mon sens pas négatif qu'un ersatz de musique classique soit proposé à la consommation de masse. Mais lorsque ce phénomène se produit au cœur même du système, sans qu'une distinction soit faite entre divertissement populiste et musique aux exigences tout autres, le risque de confusion est grand. Je pense notamment aux futurs professionnels qui prennent pour argent comptant telle fadaise ou pitrerie vue à la télévision. Que celle-ci soit cautionnée par de nombreux acteurs clés du milieu en dit long sur un trouble profond des repères identitaires. On n'arrête pas de nous annoncer la mort du compact disque. Il ne mourra probablement pas, mais vivra une existence discrète, un peu éteinte, comme un des supports objets possibles d'un enregistrement. Puisque la survie de sa relative toute-puissance en déclin tient surtout à l'absence d'investissement massif dans le virtuel, des disques, beaux parfois, continuent de se faire, et l'on peut observer du reste combien certaines entreprises de petites ou moyennes dimensions y excellent. Le bénéfice d'une époque en crise est le report peu onéreux d'une pléthore d'enregistrements historiques, y compris radiophoniques ou pirates, qui atterrissent dans nos étagères, dans certains cas pour notre grand bonheur et au bénéfice de notre formation. Que faire dans cet entre-deux mondes, dans l'attente du quasi-tout virtuel ? Enregistrer, bien sûr, puisque si le support passe, les enregistrements, eux, restent, permettant de goûter à distance, au moment choisi et à satiété, il crée cette proximité, cette intimité loin des nombreux parasites du concert. Ils assurent une présence du répertoire, notamment celui peu joué, et réalisent la fixation d'un événement, dans le cas du live, ou d'une interprétation au moment opportun. L'enregistrement en studio présente aussi un type d'interprétation particulier, contrôlé, estampillé, si j'ose dire, n'ayant rien des aléas du concert, et réalisant une projection d'une œuvre dans un espace acoustique très déterminé.
Toutes les attentions sont dirigées vers Internet et nous essaierons, dans la seconde partie de notre exposé, d'en détailler quelques potentiels. Nous abordons maintenant la deuxième phase de cet exposé consacrée aux propositions faites et ce, en reprenant point par point les thèmes abordés jusqu'à présent. Le répertoire de chaque interprète est le reflet de sa réflexion artistique et de ses convictions profondes. Ce maillage d'œuvres est une manifestation de son identité. Dis-moi ce que tu joues et je te dirai qui tu es. Mais aussi le résultat de son regard critique sur l'état du monde musical, carence à contrebalancer, acte pédagogique. En effet, le répertoire collectif, cadre référentiel dans lequel vit une société musicale, est fait, tout bêtement, de l'addition des répertoires individuels. Comment bâtir le sien aujourd'hui ? Certainement pas en copiant des modèles ayant eu leurs lettres de noblesse, mais ne correspondant plus à notre monde multiculturel. Mais plutôt en organisant un réseau d'œuvres complexes, attestant une certaine vision de l'histoire et des permanences compositionnelles. À chacun d'inscrire une sorte de parcours réflexion au cœur de son répertoire qui le structure et le justifie. Mais comment le mettre en valeur ? L'un des objectifs est la mise en perspective des œuvres par la programmation. Si l'œuvre, nœud de relations serrées entre héritage et nouveauté, reflète et transcende son époque, le contexte dans lequel elle est présentée est capital. Songeons aux enrichissements qu'une exposition inspirée peut apporter dans la compréhension d'un tableau. Un programme de qualité peut aussi mettre en valeur différentes couches de sens d'une œuvre, éclairer ses influences, en souligner une dimension particulière ou en révéler une part d'insaisissable. Le programme sera établi en fonction d'un public, de son éducation et des intentions stratégiques du programmateur. Défense d'un créateur, d'une idée, d'une vision, décloisonnement. Un jeu de confrontation d'œuvres peut s'avérer être une interrogation du présent à la lumière de notre patrimoine, tout autant qu'un réexamen de nos héritages en fonction de l'imprévisible aujourd'hui. La plus noble tâche de l'interprète, servir les créateurs de son temps. Petit mode d'emploi. Première priorité, effectuer ses choix. L'interprète n'est pas un vendeur de supermarché de la musique nouvelle, il est supposé avoir un jugement et même l'exercer. Puis, selon les cas, inciter à la composition ou au contraire s'effacer en se mettant simplement à disposition. Avoir une patience d'ange et des nerfs d'acier. Lorsque le bébé est là, être prêt à ne dormir qu'une fois par semaine si le concert est proche. Commencer à déguster lorsque s'enclenche sous la houlette du créateur le processus de l'interprétation. Attention, ne pas en perdre une goutte. Les toutes premières séances où le père cherche encore ses termes, ses métaphores, la précision de ses pensées sont les plus captivantes. On se croirait dans un processus de recomposition. Puis, les frayeurs de la première passée, le prosélytisme, peut commencer. Programmation, enregistrement, enseignement. Mais l'implication est bien variable selon le type de composition. D'un côté de la chaîne, le compositeur qui réalise pleinement son œuvre, soucieux de la transmission du message juste, conscient des risques de contresens de la communication, au fait des mille aléas de l'interprétation, voire interprète lui-même, il est ce perfectionniste aux partitions minutieusement abouties. À l'autre bout de la chaîne, bien des compositeurs sont moins attentifs à la réalisation de leur texte, voire à celle de la composition elle-même. Cela valait déjà
pour certains cas de figure du passé. Un compositeur comme Jan Hatschek pose à chacun de ses interprètes des questions sans fin, tant l'inaboutissement de la composition rend une exécution sans sérieuse remise à plat inopérante. Que dire dès lors de compositeurs qui, à l'instar de Charles Ives, laissent quelques-unes de leurs compositions à l'état d'esquisses avancées? Dans ce cas, l'intervention avant interprétation, si j'ose m'exprimer ainsi, tient du complément compositionnel. Autant dire qu'alors, le rôle de l'interprète diffère singulièrement de celui que réclame à la même époque un Debussy ou un Ravel, maître de l'aboutissement. Pour réaliser la richesse et la pureté du monde sonore de Debussy, on pourrait presque être porté à croire qu'il suffit de laisser sonner son espace acoustique miraculeusement dosé. Revenons en bout de chaîne pour des musiques plus récentes. Certains créateurs sont tant investis dans ce qui se trouve derrière les notes que la façon de jouer chacune de celles-ci devient beaucoup plus importante que les notes elles-mêmes. L'interprétation est alors liée plus que jamais aux informations directes du compositeur, parfois intraduisibles, du domaine de l'insondable. L'exécution de ces œuvres est pratiquement liée à la présence du créateur, ce qui pose un problème aigu de transmission à sa disparition. Mais en quoi consiste ce travail de témoignage de l'interprète? Bien sûr, à recueillir des indications, des commentaires, des métaphores du créateur, mais aussi à se livrer à une sorte d'observation de tout ce qui, chez l'homme compositeur, peut être déterminant pour saisir le créateur, ce qui transparaît de sa sensibilité, de son caractère, de ses façons de penser, bien sûr, mais aussi sa façon d'entendre, de chanter, de parler, de canaliser ses émotions, de laisser rayonner son énergie. Enfin, d'être dans un état de disponibilité renouvelée permettant l'absorption de l'œuvre, du style, jusqu'à ce qu'il fasse partie intégrante de vous, presque malgré vous. En quelque sorte, l'interprète mémoire vivante. Un nombre considérable d'établissements d'enseignement musical supérieur dispense de par le monde entier une formation censée déboucher sur un exercice professionnel. Et souvent, fabrique du rêve dans un monde où universités et secteurs professionnels sont souvent loin d'être en phase, c'est un euphémisme. En musique aussi, il faudrait être honnête avec notre jeunesse et l'informer au cas par cas de ses réelles chances d'insertion professionnelle, faire cesser les illusions pour former des étudiants en adéquation avec le marché des métiers de la musique. Certains métiers manquent cruellement de candidats, d'autres on leur porte engorgés d'aspirants qui ne verront jamais leurs espoirs se réaliser. Ce devoir d'honnêteté dans l'information et le conseil est indispensable. L'apprentissage des instruments doit intégrer tous les grands styles en relation avec l'étude des contextes culturels dans lesquels ils se sont épanouis, en incluant très évidemment tous les grands styles contemporains. Un travail de formation professionnelle du corps enseignant est de ce point de vue à entreprendre. Les exemples ne manquent pas de personnalités phares s'impliquant dans des projets pédagogiques audacieux réclamant passion et modestie. Lorsqu'une légende vivante de la composition et de la direction d'orchestre consacre 3 semaines par an à animer une académie d'orchestre d'été, par exemple, ou quand un chef star, à la tête de la star des orchestres, ignore pompe et égotisme pour mettre l'accent sur un programme pédagogique d'envergure. Si beaucoup d'orchestres de nos jours, à l'instar de groupes anglais ou américains experts en la matière, s'investissent dans des démarches de ce type, c'est moins le cas d'instrumentistes isolés.
Le soliste qui enseigne pourra encore parfois être considéré avec une certaine condescendance au sein de son milieu, ayant descendu quelques marches de son piédestal pour s'occuper d'autre chose que de sa propre gloriole. Gageons que si la scission entre enseignement et showbiz est malsaine, seule une harmonisation entre les activités de la scène et de l'enseignement est porteuse d'avenir. Qu'en est-il de l'éducation du public ? La demande est grande d'un accès facilité à des musiques peu accessibles. Nous étudierons quelques-uns des moyens de traiter cette question lors du premier cours sur la programmation. Un complément adéquat d'informations peut améliorer considérablement la qualité de l'écoute et de l'expérience artistique. Le plaisir de la compréhension et de la découverte se joignent alors au plaisir de l'audition. Les frontières de bien des territoires nouveaux peuvent être franchies avec l'aide de l'interprète passeur. Une voie royale pour effectuer ce type de travail sera certainement Internet, dont nous allons parler maintenant. Les exemples abondent des ressources infinies que le net peut apporter. L'accès immédiat à une quantité considérable de documents audiovisuels est bien entendu une bénédiction pour le mélomane, mais aussi pour le pédagogue. Pouvoir conseiller à une classe entière d'aller s'imprégner, selon les besoins de l'enseignement, du cantabile d'Alfred Brendel, de la technique de Martha Argerich ou de la sonorité de Claudio Arrau, en observant ceci sous toutes leurs coutures, favorise autant la multiplication des références que la réflexion critique. L'éloignement géographique peut être battu en brèche, comme nous le montre un célèbre violoniste donnant des compléments de ses cours sur le net, rendant son enseignement compatible avec son activité de concert, mais aussi un orchestre de chambre de haut vol dont les membres, vivant disséminés aux quatre coins de l'Europe, anticipent les périodes des retrouvailles et des répétitions en confrontant leurs coups d'archet sur la toile. L'installation de caméras et de micros pour l'enregistrement quasi systématique des concerts de certains festivals, formations symphoniques ou salles de concert crée à l'heure actuelle un bouleversement radical, apportant un formidable gain de communication et d'ouverture à de nouveaux publics et un changement important dans le rapport à l'événement et le contrôle de la situation. Qui écoute qui ? Qui contrôle quoi ? Mais bien sûr, de toutes ces utilisations, la palme ira aux propositions les plus créatives, voire les plus artistiques. Notre préférence se dirigera par exemple vers le site d'un pianiste français qui, en lieu et place des sempiternelles publicités déguisées en auto-célébration, se propose de piloter l'internaute dans la visite d'un chef-d'œuvre de son temps. L'interprète remplit alors pleinement son rôle de guide, s'effaçant devant le monument qu'il éclaire pour mieux le mettre en valeur. En extrapolant, ne peut-on imaginer utiliser le net pour un journal non personnel ou anecdotique, mais artistique et de ce fait plus intime encore. Journal partiel peut-être, mais qui permettrait de suivre un interprète dans l'élaboration de son artisanat. Excès d'intimité au moment où notre société, bouleversée par les impacts de ces nouvelles technologies, remet la notion même d'intimité en question. Pour agir au sein même de cette société, l'interprète doit être, à mon sens, protéiforme. Pour pouvoir tout d'abord agir sur plusieurs fronts, création, relecture et recherche de répertoire, enseignement, travail sur différents supports, etc., en étant bien inspiré d'organiser son activité en maillage pour créer croisement et décloisonnement. Mais surtout, pour qu'au maximum ce soit le contenu qui dicte l'action et non la fonction sociale qui n'emprisonne le contenu. Je pense ici à la lutte contre la segmentation de l'activité en raison de la spécialisation professionnelle,
et contre le poids des différentes étiquettes et fonctions sociales. Ainsi, un pianiste mozartien acceptera-t-il d'entendre trop souvent un orchestre reprendre des phrases de son concerto avec une articulation différente de la sienne, alors qu'il peut lui-même unifier l'interprétation en assurant exécution et direction, suivant en cela l'esprit dans lequel la composition a été écrite. Et pour l'amoureux de l'intimité romantique, n'est-ce pas subir une amputation que de jouer le répertoire pour piano seul sans pratiquer celui du lead? Les jeux de miroir entre ces deux sphères du champ intérieur sont nés chez Schubert, Schumann et Brahms pour mener une existence consanguine. De même, un féru de musique dite nouvelle pourra-t-il se limiter à l'exercice solistique, alors qu'aujourd'hui, l'instrument par excellence, si j'ose dire, c'est le groupe, flexible dans sa combinaison instrumentale, inépuisable dans ses ressources timbriques, groupe pour qui a été écrit une partie écrasante de la grande littérature musicale depuis des décennies. Si la priorité est donnée au sens musical dans la pratique, alors la fonction de l'interprète jouant un répertoire varié ne peut qu'être flexible. Y aurait-il pire condition pour un être épris de création qu'une condition préétablie et figée? Interpréter, c'est faire vivre à l'instant, pour un public donné, dans un espace donné, une œuvre conçue antérieurement pour un autre public et presque toujours un autre espace. La transposition, si je peux me permettre ce terme, des conditions d'exécution est donc au cœur même de l'activité. Elle suppose tout autant une compréhension approfondie de la conception originelle de l'œuvre qu'une juste appréciation de la façon de pouvoir la représenter actuellement. Considération historique et contextuelle, étude des sources, prise en compte des spécificités des instruments et des espaces acoustiques originaux sont donc aussi importants qu'une conscience et une connaissance aiguë des conditions dans lesquelles une œuvre est interprétée dans le présent. Nul clivage dans cette projection, mais une dialectique historique constante pour rendre justice à un héritage à travers sa régénérescence. Un compositeur compose pour un instrument donné. Lorsque la facture évolue, l'instrument gagne en capacité technique et souvent expressive, mais son identité change partiellement. Une connaissance précise de l'instrument pour lequel une œuvre a été conçue est donc hautement enrichissante, parfois indispensable, pour avoir une représentation sonore précise des intentions compositionnelles et instrumentales originelles, et ce surtout lorsque la facture instrumentale n'était pas standardisée au moment de la composition. L'examen de plusieurs types du même instrument, chacun d'entre eux correspondant aux préférences d'un compositeur différent, est de ce point de vue éloquent. Il peut nous éclairer considérablement sur les particularismes sonores et gestuels de l'un ou de l'autre. Un va-et-vient entre instruments anciens et actuels est donc, à mon sens, extrêmement fructueux dans le cas du choix d'interpréter sur instrument actuel, sur instrument moderne. Il permettra de définir la façon de jouer et de régler un instrument dans certains cas extrêmement différents de celui d'origine. La question essentielle demeure : quel instrument ou ensemble d'instruments peut rendre justice à une œuvre de la meilleure façon ? Il est des cas où la transposition s'avère inopérante, voire inacceptable. C'est à mon sens le cas de la plus grosse partie du répertoire pour clavecin
jouer au piano. D'autres où elle est non seulement possible, mais souhaitable. Je trouve personnellement qu'un concerto de Mozart joué de façon adéquate sur un instrument moderne bien réglé chante de façon plus variée, plus profonde, et plus rayonnante que sur un piano forte. Enfin, il est des cas où la double pratique, si j'ose dire, dans ce qu'elle apporte d'informations en miroir et d'expérimentations confrontées, est très fructueuse. Les exemples abondent de cette recherche du son, mais aussi du geste juste, à la recherche d'une vérité compositionnelle. Mais cette justice dont nous parlions ne peut être rendue qu'en conjuguant compréhension de l'œuvre et libération de ses forces. Seule la discipline de la lecture juste, de l'assimilation patiente, du geste circonstancié pourra donner à l'interprète les ailes dont il a besoin pour insuffler la vie à l'œuvre. Et sans son engagement émotionnel, énergétique, intellectuel, personnel, même un chef-d'œuvre abouti peut rester lettre morte. Toute la démarche de l'interprète tend vers ce lieu de projection acoustique et existentielle, la scène. Lieu de silence avant tout. Silence recherché et obtenu lorsque la qualité de la communion est optimum. Lieu du son, bien sûr, et nous traiterons abondamment du sujet dans un cours et un séminaire futur. Lieu de l'instant, celui, passez-moi l'anglicisme, d'une deadline voulue et programmée, condamnation acceptée à une mort et à une renaissance perpétuellement reconductible. Avec cette lancinante question, l'œuvre nous fera-t-elle rêver à nouveau lors d'un rendez-vous fixé parfois 2 ans à l'avance? Souvent oui, comme au meilleur de notre relation avec elle, et même au point de le communiquer à toute une salle. C'est là le pouvoir ou la magie de la scène. Pourtant, on ne rêve pas sur commande, que je sache. Mais les œuvres restent inscrites au fond de nous, prêtes à réveiller l'insondable. Et sur scène, tous les dépassements sont envisageables. Et la réalisation des équilibres beaucoup recherchés et rarement atteints aussi, incandescence et raison, maîtrise et abandon. C'est en renouant avec les origines sacrées de cet espace hors du monde réel que l'interprète peut renouer avec ses propres origines en jouant son rôle de médium. Je vous remercie de votre attention.